Peggy 12. TikTok. Mais qui est là? Yo les amis, c'est Dogo, aussi nommé Merde.com. Bonjour pour une nouvelle vidéo, l'épisode 15 du Pokémon Bouclier en Nuzlocke. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans un seul Pokémon? Ben tout simplement, nous sommes à Kikenam pour, vous savez, Travis, je n'avais plus son nom, Travis qui avait cassé la fresque, du coup, Monsieur Chiros qui n'était pas content, donc je lui ai demandé de venir à Kikenam, le rejoindre pour voir la sentence qu'il aurait. Donc petit détour sur la team, Saint-James toujours aussi beau et stylé, René c'est la même, Voltoutou c'est la même, et Dark Scorpio c'est la même. Par contre pour Watt c'est pas la même, tu vois, parce que non. J'attends d'avoir un Pokémon un tout petit peu mieux, hein, ou moins stylé, et je le balancerai, parce que voilà, là j'ai que 4 Pokémon qui sont quand même bien XP au moins, bon. Bon, on risque pas de perdre facilement, voilà, ça, c'est Kikenam les gens, donc dites bonjour à Kikenam, voilà, avec ses maisons, son stade, et là nous avons Travis, vous voyez, avec son fameux t-shirt violet, et là, voilà, il y a une cinématique, enfin cinématique, bon, il y a une animation, bref, on peut pas jouer quoi, voilà, je suis obligé d'y aller, il a l'air très content Travis. Que me veux-tu? Tu es venu parader devant moi, maintenant que je ne suis plus challenger et que on m'a dépouillé de mon ancien défi. Tu n'as rien de mieux à faire. Clairement non. Rikan, va. Tu dois drôlement t'ennuyer, maintenant que tu n'as plus un seul adversaire digne de ce nom. T'es nul, voilà. Mais sache une chose. Si tu crois que j'ai abandonné, tu te mets le doigt dans l'œil. Je continue de m'en battre pour le président. Je deviendrai maître pour lui et je vais de ce pas le supplier de me laisser retenter le défi des arènes. Ah, il y a la vieille Sally, bonjour. Minute, jeune homme. Il déborde de furie. Cette coupe improbable. C'est un aura criard. Il n'a pas froid aux yeux, lui. Il a l'air franc, ça me plaît. Un peu étrange sur les bords aussi. Mais c'est ce qui le rend humain. Je crois que je pourrais en tirer quelque chose. Elle veut que ça prenne la relève parce qu'elle voulait prendre la relève, elle voulait plus être championne. Oh là là. Eh, jeune homme, j'ai une audition à te faire passer. Pardon? Tu roses! Tu mauve! C'est quoi ces gueules? Fabuleux! Bravo, c'est magnifique, tu débordes de féerie! Oula! C'est vous, Madame Sally? Mais enfin, quel dardagnan vous a piqué? J'ai entendu parler de toi, mon enfant! Tu t'es fait rouler par cette pendige de livre, pas vrai? Elle t'a utilisé pour trouver les étoiles bleues avant de te jeter en pâture à ce snob de chez Rose! Bien, j'ai un marché à te proposer. Il te permettra de prendre ta revanche. Mais laisse-moi te dire que ça ne sera pas du tout cuit. Il va falloir se retrousser les manches. Vous voulez me tester, c'est ça? Après tout, pourquoi pas? Je n'ai rien à perdre. Continue à me parler des étoiles bleues, ça m'intéresse. Toi, Ous, tu as des défis des arènes à accomplir. File à Ludester. Via la route 7 et au vélo! Alors, Ludester, c'est ici. Il m'a dit de passer, donc il faut que j'aille à droite de Kikenam, où je pouvais pas passer. Route 7, route 8, route 8, encore une fois. Et Ludester, donc à mon avis, où il y a la 6ème arène. Ah, il y a Sonia! Salut Sonia, ça va? Salut, ça avance la collecte des badges? J'ai étudié les runes d'Olchester sur tous les angles. L'épée et le bouclier. Quel genre de Pokémon sont-ils? Et où pourrait-on les trouver maintenant? J'ai tellement de questions. Je pensais jeter un œil aux tapisseries et... Broum! Ou le bleuzaï derrière, même lui l'a senti. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce bruit? C'était un séisme. Non, je sais pas. Le stade de Kikenam a tremblé. Attends un peu. Sous le stade, il y a la salle du réacteur dont s'occupe Chérose. Mais le détecteur de source d'énergie réagit. J'en ai bien l'impression. Peux-tu passer pour quand même en ville? Sonia, là d'habitude, je ne savais pas que vous étiez en ville, ça m'a méchamment secoué. Le président Chérose est encore en train de tester une nouvelle invention. Ça craint, des Pokémon dans Dynamax en plein Kikenam. Si c'est le cas, c'est grave, je vais prévenir le président. A tous les coups, tu vas encore te perdre, je t'accompagne. Ne t'en fais pas pour cette histoire de secousse, on va se renseigner avec Tarak. Toi, continue de t'entraîner, je rêve de te voir combattre en finale. File récupérer le badge du stade de Ludester. C'est même quand ça finit en air. Ça en a l'air. Oh, y'a Nabil, salut! La dame des tubes! Salut! En plus, il fait coucou, bah tu vois. D'abord, la forêt. Ensuite, le coup absurde. Je commence à en avoir marre. Mais bon, me voilà.
Tu viens avec moi sur la route 7, un peu ton cœur maintenant à retrouver la motive. La motivation. Motivation. Parce qu'il était blasé de la vie. Il y a un combat contre Nabil. Il y a un combat contre Nabil, les gens. Merci d'être venu, je voulais te parler. J'ai bien réfléchi, il faut que j'utilise plein de tactiques différentes si je vais essayer de rattraper mon frangin. Et je veux pas juste le rattraper, je veux le dépasser, le battre à plate couture. Bref, je pense que tu vois où je veux en venir, j'ai vraiment besoin de m'entraîner avec toi. En garde! Combat contre Nabil! Avec sa musique trop stylée. Voilà, c'est ça que j'aime bien surtout contre Nabil. Et cette fois, il envoie un Décédiant! Oh, stylé! Et au moins, je sais qu'il y a Décédiant dans le jeu, voilà. Mais j'ai sabotage, donc il va pas faire long feu le Décédiant, non. Voyons voir jusqu'où mon équipe me mènera cette fois-ci. J'ai du mal à lire, mais c'est tous les jours. Niveau 34, tu te fous de ma gueule! Allez, casse-toi. Ta manière de combattre ressemble à celle de mon frangin. Ouais, mais je suis un maître, c'est ça, tu vois. Et voilà. On gagne tellement plus de points d'XP. Ah, René 43, c'est cool. Un afflamat noir. Alors même si René est passé, René sera plus rapide, donc il n'y a pas de problème à l'envoyer. De toute façon, il a 10 niveaux de plus, et René Minotaupe, à la base, c'est un Pokémon extrêmement rapide. Il est moins rapide que Voltoutou, qui est l'exprime du coup. Mais sinon, il me regarde pour savoir quoi faire, en plus, toi, il est sympa. Bon, tu ne l'es clairement. Je suis sûr que j'en aurais tué deux comme ça, avec mon attaque, au revoir. Même pas besoin de coup critique, tu meurs. En même temps, mes Pokémon, ils sont beaucoup trop forts avec les terres sauvages, là. Bon, sauf à toi. C'est l'exception. Damoclès, c'est combat, je crois. Non, c'est normal. Non, c'est normal. Par contre, ça fait très mal, Damoclès. Ça, c'est cool. Coteau garde, ça peut être intéressant. Contre double pied, c'est pas ouf, coup de boule. Ouais, mais ça me fait des dégâts, je crois. Ah, elle blesse aussi gravement le lanceur. Bon, on va enlever contre. De toute façon, je m'en sers pas, non, très clairement. Je vous ai dit, je trouve. Mais là, c'est une nouvelle route, les gens. Donc, on va pouvoir capturer un Pokémon, c'est cool. J'y ai pas pensé. Un Lézargus. Je suppose que c'est la dernière évolution de l'armée Léon. Ouais, je suis fier de toi, René, c'est bien. On réenvoie Saint-Gym. Parce que voilà. J'ai fait beaucoup de camping aussi sur le chose. Les Argus. Ça, c'est l'attaque tambour battant, je vous ai pas dit, mais il a pris tambour battant, voilà. Ah, mais si, vous l'avez vu dans un autre épisode. Avec les terres sauvages, et voilà, là, c'est là. Allez, on passe au jeu sérieux, droit engloutir. Et puis, comme tu vois, bon. C'est la première vidéo que je tourne en 2020, je suis un peu paumé. Tir de précision. A mon avis, ça peut pas miss. Ouais. Je vais te montrer ce que c'est la puissance. Tambour battant. Au revoir. Il est dégueulasse. Vraiment, les gens. Je crois que c'est un des pires Pokémon avec Vagomine. Hein. Parce que clairement, il est moche. Un Ronflex. Bah non, on va pas changer. On va le balayer. Au revoir, Ronflex. Tous tes Pokémon se font one shot. T'es mort, Blue. Wouhou. On a gagné. Et toi, dans le net, tu me battras jamais. Saint-Gym, Broné, Voltoutou et Dark Scorpio. Ah, un Fulgudog. Ah, c'est l'évolution de Voltoutou, je pense. Un Fulgudog, tu vois, Fulguris. La Fulgure. Je sais même pas si ça existe à quoi dire. Mais bref, vous avez rien entendu. Les dresseurs calés, c'est ceux qui arrivent à gagner même quand la situation semble perdue. Et du coup, bah ça veut dire électrique et doc, ça veut dire chien, donc vole tout, bah c'est pareil. Oh, je le surkiffe. Putain, il est trop beau. Allez, ah, gens, il est magnifique. Oh ouais, j'aime pas vole tout. Ah, mais alors le fût du doc, il est trop stylé. Ah ouais, avec les pattes derrière, ils sont jaunes, et les pattes avant, elles sont blanches. Oh non, il est trop stylé ce Pokémon. Wouah, c'est un des premiers Pokémon qui est autant stylé dans cette génération. Si j'étais en combat, c'est sûr que mes Pokémon n'ont pas réalisé tout leur potentiel. Tu sais, avant qu'on parte à l'aventure, je mettais tout le temps les combats du frangin à la télé. Il me mettait toujours plein la vue, je réalisais bien qu'il était fort, mais pas à quel point. Maintenant, je sais, et clairement, il me manque quelque chose pour arriver à son niveau. C'est pas grave, j'ai continué de m'améliorer. Merci de me laisser tester tes tactiques, t'es un super pote, bouge pas, je guéris ton équipe. Au moins, il guérit mon équipe, tu vois. Parce qu'avant, les rivaux, ils s'en foutaient de ton équipe, tu vois. Ouais, j'en suis sûr maintenant. Je vais défier mon frangin et le vaincre. Je vais vaincre le maître invaincu. Je vais décrocher le badge de Ludester et je t'attendrai au tournant après pour te vaincre. Okay. Route 7. C'est un Léo. Alors là, les gens, nouvelle route. Donc j'ai mis Dark Scorpion en première position.
Si j'ai déjà attrapé, c'est hors du let's play. J'ai mis Dark Campeau en première position parce qu'il était résistant, il avait les restes et fauchage. Ouais, c'est ce que je pensais, ok. Le poison croix, ça va trancher lui, ça va pas le tuer. J'en ai marre, les gens. J'en ai marre. Ouais, on lance une Pokéball et voilà. Mais les gens, vous avez vu, je vous avais raconté l'histoire du Léopardus qui me saute dessus. Vous avez vu que c'est pas faux, il me saute dessus le truc. Mais non, mais c'est bon, je vais même pas réfléchir à un Pokémon, je voulais juste mettre un... Le bon Pokémon est un truc que je m'en fous qui me saute dessus. C'est bon, quoi. Surtout qu'il m'avait déjà sauté dessus, ce Pokémon. Et s'il vient pas, je le tue. Merci. Bon, clairement, il va pas aller dans l'équipe, hein. Ah, mais... voilà. Je préfère vous le préciser, quand même. Bon, on va l'appeler Gros Relou. Gros Relou. C'est bon, je l'ai envoyé au bon endroit où il fallait qu'il aille tout simplement. Il y avait un Sepiatop sinon, il y a quoi ici? Pour Rosemary, Yel, en combat, il n'y a pas meilleur qu'elle. Okay. Bon, en gros, ça veut dire qu'on peut pas passer par là, voilà. Bon, on va essayer d'Arch Rampio quand même, allez, viens, on va te défier. Il faut qu'il y ait un peu d'action quand même, c'est bon, je lis même pas ce qu'il dit, on s'en fiche les gens, voilà. Déjà, c'est un aviateur qui envoie un Bleuzel. Alors on m'a dit que l'évolution de Bleuzel c'était Corvaillus. Ça m'a semblé un peu étrange. Je pense que vous comprenez pourquoi. Poison Croix. Ça va faire mal. Bon, ça la one shot. Ah bah coup critique aussi. Voilà, hop là, one shot mon petit Bleuzeil. Bon, j'ai dit Bleuzeil tout à l'heure, je sais pas, on s'en fout. Marteau bois. Ça, le problème c'est que t'as des dégâts de contre-coup hein, marteau bois. Ouais, marteau bois. J'ai pas besoin de deux attaques plantes, hein. Je pourrais laisser tambour battant, hein, mais bon. Pourtant, je vais enlever Trancherbe. Il envoie un Furiglon. Oh, Furiglon, tiens, on va envoyer Voltout. Oui, donc c'est un aviateur, de toute façon, vous avez vu. Furiglon, c'est la base de Guerriègle, pour ceux qui voient plus qui c'est. Et... oh, il y avait un Mégavolt et tout, mais non. Les gens, on est dans une nouvelle zone, voilà. Une zone qui a l'air assez ensablée, si je puis dire. Donc l'ensablement, c'est pas trop pour Dark Scorpio, très clairement pas. On va plutôt envoyer Saint-Gym. Il n'y a que Saint-Gym qui est vraiment bon face à ça. Parce que j'ai beaucoup de Pokémon faibles au sol. Peut-être... non, René, il est pas faible, c'est normal. Sur lui, le sol, enfin, c'est... c'est quoi? C'est un Togé des Mâles ou... non, je veux pas... non, mais... il est relou, ce Pokémon. Bon. Oh, des Géolithes, bonjour. Ah. On va descendre là. Tac, 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 tac. Bonjour. Un peu aveugle, hein, elle a pas de vision P. En fait, les dresseurs de Pokémon, laisse-moi examiner la santé de Pokémon, on s'en fout. Je disais, les dresseurs dans Pokémon, ils ont aucune vision périphérique. Je suis à 2 mètres d'elle, même pas, à 1 cm de sa ligne d'activation du code. Et non, elle ne réagit pas. Niveau combien? 36. Ah, les petits coups critiques, ça fait plaisir, parce que Roselia, bon... quand même pas contre Roselia, non, on fait rien, clairement on fait rien. Ok, René 44, super cool ça, il a 100 de vitesse. Un Chapotus. C'était l'évolution de Crény. Je crois qu'il était type fée de mémoire. Bon, est-ce que ma mémoire est bonne, les gens? C'est un test aujourd'hui. Étirement, étirez-vous, c'est important. Surtout si vous voulez pas devenir trop vieux. Ah, peut-être qu'il est type psy en fait. Ah, bah je sais pas, bon. En tous les cas, ça va faire super mal. Ça va le one shot, c'est sûr en fait. Au revoir. Donc très clairement, je m'y attendais. Je vous avoue, mes Pokémon, bon, ils sont pas là pour rigoler. Watt 41, ok. Bon, j'ai pas capturé de Pokémon dans cette zone, hein, donc on a encore le temps, vous voyez. On reprend le vélo parce que j'ai pas. Un grain golem, ouais. Mais Watt, il est plus élevé que les dresseurs. Bon, les gens, je l'ai pas pris, pas de Pokémon dans cette zone, tant pis, écoutez. Ah, il y a un truc qui brille, là.
Mais vas-y, mais en plus, il y avait un ouvrier juste après, là. C'est bon. Estocorn. C'est quoi, Estocorn? La sorte, avec sa corne enfilée, touche toujours l'ennemi. Ah, intéressant, ça. Je pense que René peut la prendre. Nouvelle attaque à René. On n'a plus de griffes assis, on a Estocorn. Bon, moi, je suis sûr que je la raterai jamais. C'est toujours intéressant d'avoir des attaques qui peuvent pas rater. Ah, il y a un hexadron. Je le connais parce que je l'ai vu en Red Dynamax une fois. La chenille qui sort, là. Il est drôle, ce bug. Vous voyez, il marche. Voilà. 3 hyper potions, c'est cool. Bon, pour l'instant, on avance tranquillement. On avance. On regarde les paysages, voilà. On bat des dresseurs nuls. J'aime pas trop cette zone. Hein. 3 Lux Ball, ok. Plutôt sympa. Donc là, il n'y a pas d'hexadron. L'hexadron, il est revenu par là. On va voir s'il revient. Peut-être qu'il revient de l'autre côté, je sais pas. Non, il revient là. C'est un hexadron, ça, les gens. Bon, voilà. Je l'ai capturé en Red Dynamax, parce que c'était hors Nuzlocke, je vous ai dit. Que hors du Nuzlocke, bah, je compte rien de ce qui se passe. Ça n'a rien à voir avec le Nuzlocke. Le seul truc qui peut compter, mais ça, c'est pas ma faute, c'est le nombre de Pokéball qui me reste. Ah, bah, bonjour. Tu peux dire bonjour, hein. Les gens, ils disent jamais bonjour, d'ailleurs. Hein. Vous avez remarqué? Les gens, ils disent, oh, salut! Non, non, déjà. Qu'est-ce que je raconte? Ils disent pas au salut. T'es moche. On pourra un fossile. Les gens, ils disent rien. Voilà. Truc là, ils s'en foutent. Genre ils disent, oh t'es un dresseur, combat. La politesse tu connais? Salut, au revoir, bonjour. Merci, de rien. Non, tu connais pas. Ah bah c'est pas efficace parce que c'est la one shot. Hein. Ouais non, je sais pas ce qu'ils ont, ils sont bizarres dans le monde des Pokémon de toute façon. Oh, voilà tout bientôt 43, Dark Scorpio 44. Un Vostourneau, ok. Bon, en tout cas le Fantirme, je crois qu'il s'appelait. C'est pas ouf comme Pokémon, hein, voilà. J'ai déjà épisode 15 du Let's Play, vous imaginez, 5 badges. On avance. On avance un petit pas, mais on avance. Là, on va aller à l'île des Terres, si je me rappelle bien. C'est l'île des Terres, hein, les gens. La reine s'en met de type glace. Ça va pas m'aider parce qu'il y a que Ronnie qui a l'avantage. Donc c'est pas un truc de... J'ai perdu, mais c'était pas terminé, je pourrais me battre à nouveau. Allez, on passe par là, let's go. Attention à lubrifier, hop, on esquive. Ok, il y a un Vostourneau, on peut pas esquiver. J'ai pas envie de l'affronter, je veux aller à Ludester vite voir ce qui se passe à Ludester. Puis comme ça on avance et ça me fait faire moins d'épisodes et voilà. Ouh, encore des hexadrons. Vas-y, va vite cet hexadron là. Une roche royale, c'est pour évoluer Tarpo. Ok, bon celui-là il est lent. On a fini là? Non, ça a l'air d'avoir. Donc on est fini. Ouais, on a fini. C'est quoi là ce qu'il y a? Il y a une CT? Bon, les gens, on va faire un petit combat duo. Fait pas de mal un petit combat duo. Non, je voulais mettre Voltoutou justement. Voltoutou René. Voilà. C'est parti. La puissance est incommensurable. Mes Pokémon n'égalent que mon égalance. Pour les affaires, il faut savoir communiquer. The communication, tu piges, c'est essentiel. Et sans me vanter, c'est grâce à ce skill que je m'entends si bien avec les Pokémon. Les collègues du bureau. Oh, Minoto, bonjour. Il me casse les couilles. Sans commentaire. Je me suis dit, je vais prendre René parce qu'au cas où qu'il soit type sol et qu'il y en a un nom, je pourrais le faire plus facilement. Pas du tout! Ils sont tous les deux type sol! Plécroix! Parfait, c'est ce que je voulais. Ça. Ah bah non, pas forcément. 80. Ah, 60, oui, c'est mieux. Tourbissab! Sergim évite l'attaque, allez, bim. C'est quoi Sergim qui prend des dégâts? Parce qu'il n'est pas type sol, acier ou roche. Lucario! Bon, petit tambour battant sur Hippodocus. René, je sais que tu m'en viens pour savoir quoi faire. T'as vu, t'as fait encore un tunnelier. Clairement, il les esquive jamais. Et tes Pokémon n'en servent rien, et surtout, tu te fais one shot! Même si t'avais un très bon Lucario.
Lucario, Pokémon très stylé, je trouve. Hein. C'est un avis, donc c'est subjectif. C'est bien, vous comprenez. Vous commencez à comprendre, c'est bien. Allez, un petit tambour battant, blablabla. Bon, clairement, là, c'est un peu du gâteau. Hein. Ils sont tous one-shot. Est-ce qu'il y a un Pokémon depuis le début de l'épisode qui ne s'est pas fait one-shot? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Personnellement, je crois que non. Peut-être que je mens, hein. Peut-être que je m'en rappelle plus. Mais selon moi, non. Un berserk. Ok. Miaou, c'était dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils ont fait des évolutions à des Pokémon comme ça. Je comprends pas. C'est comme le Coraillon qui évoluait là. Bah pourquoi ils ont fait une évolution à un Coraillon, pas une évolution. Je sais pas, on sait pas trop ce que c'est, je comprends rien. Des évolutions à des formes alternatives, mais qui n'avaient. Les évolutions n'étaient pas sur les Pokémon de base, mais que sur les formes. Donc clairement, je ne comprends rien. Je trouve ça bizarre, et ils sont pas forcément très beaux en plus. Il y a un chemin là. On va payer œil de lynx. Objet à tenir. Annule les effets subis par le batteur quand utilise une attaque direct sur un autre Pokémon. Ah, ça peut être pas mal ça, ces effets. Ça marche si je prends Giga Impact. Comme ça, il n'y a pas d'effet. Ah, je sais pas. Ah non, c'est pas la même route 8. C'est la route 8 Sentier des Sources. C'est pas la même route 8, les gens. Donc vous pouvez pas me dire que t'as déjà fait cette route, non. C'est la route 8, le Sentier des Cendres. J'ai oublié déjà, bon c'est le sentier de je sais pas quoi. Et l'autre c'était pas un sentier, c'était la route 8. Donc on peut capturer un Pokémon glace, ouais super. Ah non, il y a un jus de crack aussi, d'accord. Hop, esquive. Ah oui, c'est vraiment le tout petit sentier quoi. C'est tout petit, bon, on va pas en capturer. Très belle ville. C'est celle-là qu'on avait vu un... vite fait dans les trailers de ville, c'est Ludester. Avec un champion type glace, je présume. Daruma. Un Darumacho ? Bienvenue dans la ville des neiges, tu connais son nom, n'est-ce pas ? D'accord, donc le mec, tu me parles en regardant ton Pokémon, c'est sympa. On joue tous les Pokémon, donc bon. Voilà quoi. Très belle ville, sinon vraiment, je trouve. Il y a de l'eau, il y a une source d'eau chaude ici. Ok, il y a des. C'est quoi? Frisson. Il y a un truc qui brille là. Une boule de neige. Objet à tenir, une boule de neige à Jagini qui augmente la capacité du porteur lorsqu'il s'enquête sur une attaque de type glace. Ça les a unis que c'est nul. Ah, une source d'eau chaude, oui. Oui. J'aime l'eau. Surtout quand elle est chaude. Bon, clairement, il faut que j'aille où en fait? J'ai perdu. Ah, première fois qu'il perd, donc il y a vraiment un scénario. Au type j'ai copié la stratégie du frangin, je piche pas. Pourtant, j'ai pas lu ce qu'il a dit avant, désolé, j'ai pas pu, j'ai appuyé sur la gâchette, ça a marché quand même. Enfin, c'est pas grave, tiens, voilà la carte de ligue de la championne. Étudie-la avant d'aller l'affronter. Lona, ok, je sais qu'elle s'appelle Lona. Intéressant. J'ai rendu mal à monter une équipe qui tient la route, c'est compliqué. J'ai 4 Pokémon, ça tient la route, hein, très clairement, ça va. Bon voilà les gens, je pense que vous avez compris, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner, mettre un pouce rouge, arrêtez de mettre des pouces bleus, voilà, je le dis qu'en fin de vidéo, mais la prochaine fois je le dirai pas en fin de vidéo. Bref, donc si t'as pas lâché de commentaire, tu peux, ça me fait plaisir, regardez ensuite la suite du let's play pour t'abonner, voilà, tu t'abonnes pour... Bref, t'as compris, tu fais tout ce qui est habituel chez un youtubeur, sauf que tu mets un pouce rouge à la place. Sur ce, c'était la Daube, ciao bande de douillettes.